FIFA est un mec qui est vraiment, vraiment intéressant. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, vraiment, les amis, les dossiers nous inondent. Regardez bien le travail des chamois. Chaboya, regardez vous-même. Voilà, bonjour les fagnons. J'ai fait cette petite vidéo pour m'excuser. Je vous avais promis qu'au retour de Dubaï, on allait continuer avec les directs du peuple spécial présidentiel. Donc après M. Joshua Oshi et M. Matomba, M. Maître Momo et M. Georges Bebaolan, je vous ai promis qu'on devait recevoir Cabral Libi. Donc j'appelle pour m'excuser parce qu'on ne pourra pas le recevoir. On ne pourra pas le recevoir parce que apparemment Cabral ne me connaît pas. Et je pense que c'est risqué ça. C'est pas bon. Dites-moi un peu s'il vous plaît les amis. Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur vous dans ce pays? On fait une vidéo, quel que soit. Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur vous sans que vous ne voyez la vidéo? Si, même si vous n'êtes pas connecté, il y a toujours un ami qui va vous dire on a fait une vidéo sur vous, on va vous montrer la vidéo. Cabral, est-ce que c'est sérieux? Je t'appelle que je veux que tu participes au direct du peuple. Toi, tu ne me connais pas. J'appelle ton attaché de presse, M. Okol. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de Steve Fa. Il ne connaît pas ce qu'on appelle 3 minutes du peuple. Non. Non, c'est pas sérieux. La honte que vous m'avez foutu là, c'est bien. Mais non, le pays s'est risqué, franchement. Je peux admettre que je ne suis rien, vous voyez? Je peux admettre que je ne suis rien. Mais que j'appelle un candidat à la présidentielle, il me dit qu'il ne connaît pas 3 minutes du peuple, il ne me connaît pas. En fait, pourtant j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Franchement, moi ça m'a fait mal, je vous assure. Je vous assure, ça m'a fait mal. Peut-être une manière de Meshiba, mais ça m'a fait mal. Comme tu ne me connais pas, d'accord, on ne se connaît pas. C'est comme ça que ça va dorénavant fonctionner. On ne se connaît pas et voilà, c'est bien. Donc, on va sauter Cabral Libi. On va essayer d'avoir Kamto. On va essayer d'avoir le professeur Maurice Kamto pour le prochain direct du peuple. Monsieur Maurice Kamto, je suis venu vers vous l'autre soir à l'ambassade de France. J'étais en train de discuter avec Cabral Libi. Je suis venu vers vous parce que c'était la première fois que je vous vois en vrai. J'ai dit, ce monsieur, il faut que je le salue. Je suis allé, j'ai salué M. Maurice Kamto. Il m'a posé une question. Vous savez, je voulais lui dire que je suis un jeune qui est parti de rien pour bâtir cet édifice qui est derrière. Cet édifice qui emploie bientôt presque une centaine de Camerounais. Mais je me suis retenu, j'ai dit, je suis juste un admirateur. Je suis fier de vous voir en vrai. J'ai cru que vraiment il ne me connaissait pas. C'est quand je finis qu'il me dit, vous ressemblez à Steve Fa. Seigneur, j'ai eu mal. Parce que c'est la considération qu'on veut, le respect. J'ai eu mal. Vous-même, dites-moi, après ce comportement, comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de lui? Donc voilà. Steve Fa est un mec qui est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Il y a quelques temps, le gars vexe comme Cabral ne le connaît pas. Oui, Cabral, tu ne me connais pas, pourquoi? Tu es supposé me connaître. Oui, Cabral, tu es supposé me connaître. Oui, comment est-ce que Cabral ne me connaît pas? Nye, 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 nye. Quelques temps après, le gars vesque comme Kamto ne le connaît pas. J'avais mal. Kamto, je vais vers lui, je le salue. Il dit, vous c'est qui? Ah, mon mide. Vous, c'est qui? Vous ressemblez à Sifa. Est-ce que tout le monde est supposé te connaître? Je suis sûr qu'un jour, il va voir Popol. Bonjour, monsieur le président. Monsieur, vous, c'est qui? Mais le président, vous ne me connaissez pas? Oui, président, c'est moi, Sifa. Vous ne me connaissez pas? Non, je ne vous connais. Non, franchement, j'y suis. Donc, le gars vexe parce qu'on ne le connaît pas. Vous, c'est qui?
Vous ressemblez à Stifa. Ok, passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Vous savez ce que je retiens dans cette vidéo? Les gars sont forts ici dehors pour les archives. Même après 10 ans. Les gars, entre temps, les gars, n'oubliez pas de commander votre savon Mana. C'est le meilleur savon, le savon de l'heure. Savon que Franco lui-même vous recommande. Vous voyez comment moi j'utilise ça, non? J'utilise ça depuis presque 7 mois aujourd'hui. Et vous voyez comment je suis mignon. Voilà, c'est un savon qui a été créé, n'est-ce pas? Pour éliminer les imperfections, les dégâts que les autres savons ont créés sur vos peaux. Donc, je vous le conseille. Femmes, enfants, hommes, tout le monde. Utilisez le savon Mana. Un savon qui a été mis sur pied par le meilleur institut de beauté à l'ouest Cameroun, Bafoussam, de Mana House. Le meilleur salon de beauté sans concurrent à l'ouest actuellement où je vous parle là. C'est ce salon qui a mis sur pied ce joli savon. Pas comme les autres. Très très bon savon. Achetez le savon Mana, les gars. Je vous le conseille. C'est très très efficace pour la peau. Vous voyez comment je suis. Merci de partager la vidéo. C'était le général Franco. Je vous l'offre. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.